Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, Mourir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissi ben Nahouda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Richard Batrim, Nechami, ainsi que deux fois d'avoir Mourir ben Ruth, Betor Shachol Israël, si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions à Sarah Zalachim, Berektet, Mishnah Gimel. Elo, lo, haya, psulan, bakodesh, haro, vea, vea, nirba, vea, mukze, vea, ne'evad, vea, etnan, vea, mechir, vea, kil'aim, vea, trefa, vea, yotzedofen, ou baale, moumin. Rabbi Akiva Marchir Bebaale Moumin. Rabbi Hanina Sgan Akoanim Omer. Doche Haya Abba et Baale Moumin Meal Gabei Amizbeyach. Suite de la Mishnah précédente. On parle, le sujet de notre Mishnah c'est E Akorbanochim Alu Loyadu. Les sacrifices qui ont eu un problème, ils étaient invalides. Invalidé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un Kohen s'est trompé et a commencé à les monter sur le Mizbéach. Alors, la halakha de ce Pérec nous enseigne, sache que pour certains korbanot, même s'il ne fallait pas les monter a priori, a posteriori, à Mizbéach, Mekadash et Araouilo, le Mizbéach va sanctifier ces korbanot et va dire, si déjà t'es arrivé, continue à les apporter. A priori, tu n'apportes pas ce cadeau au roi, a posteriori, si déjà tu es déjà arrivé dans la cour du roi, bon, donne-le. D'accord? C'est le principe. Dans la Mishnah précédente, on avait appris de quel type de psoulim, de cause d'être invalide, le korban est kasher. Et à présent, dans notre Mishnah, c'est la suite, c'est la réciproque. Ça, on va parler à présent des causes, des causes pour lesquelles le korban, même a posteriori, si le korban monte sur le Mizbéach, tu devras quand même le faire redescendre. D'accord ? Ve'elu. Et nous, le Hayab Sulan Bakodesh. Telles sont les causes de devenir invalide pour lesquelles le psoul n'est pas Bakodesh. C'est la notion qu'on avait appris dans la Mishnah précédente, en fin de Mishnah. Kol Pshe Psoulo Bakodesh, nous avait dit Rabbi Shimon, tout korban dont le problème qui est devenu invalide à cause d'alachot spécifique des korbanot, alors ça s'appelle qu'il y a eu Psoulo Bakodesh. Il a été invalidé à cause des lois particulières du Kodesh. C'était pas un problème intrinsèque. À la différence de ce qu'on va voir dans notre Mishnah, que cette fois-ci, l'Oaï Absolo Bakodesh, il n'a pas été devenu invalide à cause d'un problème intrinsèque aux lois des Korbanot, mais plutôt parce que foncièrement, il a été rebuté, il n'était pas bon. Quelles sont ces causes-là? Harovea Vehanirba. L'animal par lequel un homme a fait une Avera, il a eu un rapport. Rovea, c'est quand? C'est l'homme qui est actif. C'est quand plutôt l'animal qui est actif, et Nirba, c'est quand c'est l'homme qui est actif avec l'animal, d'accord? C'est au passif. Veha Mukhtse, Veha Ne'evad, cette fois-ci on parle de Avodazara. Mukhtse, celui qu'on a désigné pour l'offrir en Avodazara. Veha Ne'evad, c'est l'animal que l'on s'est prosterné à lui en voulant le vénérer. Puisqu'il a été interdit à cause des lois de Avodazara, il est devenu foncièrement répugné. Et dans ce cas-là, même a posteriori, on ne pourra plus le faire monter sur le Mizbéach. C'est-à-dire, même s'il est monté sur le Mizbéach, on te demandera de le redescendre. Veha etnan, etnan zona, ve mechir kelev, ça va de pair toujours, dans la parasha, c'est dans parasha Shoftim. Là-bas, on parle de quoi? Etnan zona, c'est le salaire que l'on donne à une prostituée. Pour en faire quelque chose de répugnant, donc, c'est-à-dire, l'homme va avoir un rapport avec la femme, avec la prostituée, et il va lui donner en salaire un animal, cet animal il s'appelle un etnan zona, le salaire d'une zona. Et de ce fait, il ne peut plus monter sur le misbéach. Il est cachère, on a le droit de le manger l'animal, mais pour le misbéach, il n'est pas digne, il a été rebuté, répugné, et dans ce cas-là, il est donc inapte. Et même si on s'est trompé, on l'a porté, on l'a égorgé, on a fait monter sur le misbéach, on te dira de le redescendre. Idem encore à Mechir Kelev, on parle d'héritiers qui ont hérité. Un mouton et un chien. Et un frère a dit à l'autre, mais tu sais quoi, prends-toi le chien et je prends en contrepartie le mouton. Puisque ce mouton, maintenant, il est devenu la contrepartie du chien, alors il a eu ce qu'on appelle le mechir kelev. Il a été impurifié parce que c'est devenu le prix du chien. En fait, c'est un mouton qui est un sale nom. Ouais, c'est la contrepartie du chien. Dans ce cas-là, il a été invalidé par la Torah. Il y a encore pour Veha Kil'aim, l'animal qui a été creusé, deux espèces différentes, ou encore Veha Trefa, l'animal qui a été devenu Taref, c'est-à-dire, ça peut être concrètement un animal qui a reçu un coup de patte
d'un renard. Ouais, alors la Gemara dans Chulin nous enseigne qu'il y a dans certains prédateurs et dans certains animaux comme ça, de chasseurs, quoi, sauvages, ils ont un certain poison dans les ongles, que lorsqu'ils griffent, alors l'animal devient taref. Ça peut être encore toutes sortes de tréfas, il y a plusieurs tréfautes. Yotzedofen, c'est l'animal né par césarienne. Yotzedofen en hébreu moderne, c'est bon à savoir ça. Yotzedofen en hébreu moderne, c'est lorsqu'on veut dire une exception à la règle, on dit que c'est le Yotzedofen. Il sort du groupe. D'où vient cette expression? Ça vient tout simplement, un dophen dans la Torah, c'est une paroi. Lorsque on accouche de manière naturelle, donc le fœtus naît normalement. Lorsqu'on accouche de manière pas naturelle, alors on ouvre le dophen, la paroi qui protège le fœtus, on le fait sortir par la paroi. De là est venue l'expression de Yotze dophen. Ouais, il ne sort pas comme tout le monde. Chacun sort par la porte d'issue classique, et lui, il sort par la paroi, il casse le mur, il sort par la paroi. Ensuite, ou Baalé Moumine. Le Baal Moum, c'est celui qui a un défaut, par exemple, qui lui manque un membre. Mais en réalité, lorsqu'on parle d'un Baal Moum, c'est assez vaste comme sujet, comme ce que Rabbi Akiva va nous apporter tout de suite des précisions. Pour le moment, juste je clos. Pour le moment, donc dans tous les cas qu'on a évoqués, tous ces types de causes pour lesquelles l'animal est répugné et ne peut plus monter en corban, ce ne sont plus des psoul bakodesh, ce ne sont plus des causes de devenir invalides dans l'enceinte du Beth Amikdash à cause des lois particulières des korbanot, mais plutôt parce que foncièrement, l'animal a été repoussé et répugné avec un problème intrinsèque. De ce fait, même si on s'est trompé, on l'a fait monter sur le Mizbeach, on te demandera de le faire redescendre du Mizbeach. Ok? Maintenant, par rapport aux Baal et Moumine, aux animaux qui ont un défaut, il faut savoir. Les défauts, c'est vrai, je parle à chaque fois de qu'il manque un membre, mais c'est beaucoup plus fin que ça en réalité. Il y a des halakhot très 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 strictes pour les korbanot. Ça peut être même une fissure dans l'oreille, même si c'est pas quelque chose de. Il n'y a rien de mortel, rien de mal à l'intérieur, malgré tout, l'animal il est plus entier. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle les dukim shebaïn, qui sont des sortes de petites peaux. Je ne sais pas exactement, dukim shebaïn, c'est des sortes de petites peaux qui vont surgir, qui lui poussent dans l'œil. D'accord? Toutes sortes de choses qui vont faire que l'animal il est devenu invalide selon les lois strictes des korbanot. Ça, Tanakama considère que malgré tout, le korban est un baal moum, il est devenu répugné, impossible, invalidé complètement, impossible de le monter sur le misbéach, même a posteriori. Et bien Rabbi Akiva marchir de baal moumine. Rabbi Akiva permettait les baal moumine. S'il y a eu un baal moum, un animal qui avait un défaut qui est monté sur le misbéach, Rabbi Akiva te dira continue à la porter. Mais attention, le Barthénora nous précise que Rabbi Akiva n'a parlé que de ce type de moum, de défauts qui sont minimes, petits, pas lorsqu'il lui manque un membre. Quelle est la différence? C'est très simple. Tamut vezachrut dans les animaux, et pas tamut vezachrut dans les volailles. Je m'explique. Il y a dans la Torah, vous allez voir, qu'il devra porter un korban tamim. Vous allez voir à chaque fois qu'il y a le mot tamim. Tamim, ça veut dire qu'il doit être entier. Si vous faites attention, lorsque la Torah te permet d'apporter un korban de volaille, ça peut être des taurim ou des bnei yona, des tourterelles, et des bnei yona et des pigeons, la Torah ne va plus dire le mot tamim. Parce que réellement, l'animal, le petit pigeon peut avoir des défauts, tant que c'est des défauts de croûte qui lui poussent dans les yeux ou de petites fissures dans les oreilles. Par contre, s'il lui manque un membre entier, un pied en moins, ou même, je pense, un doigt, ça va, je pense que c'est la même chose si je ne me trompe pas. Alors, un pied entier par exemple, alors le korban sera invalidé. Rabbi Akiva vient et nous dit, ben, sache que, a posteriori, les korbanot qui étaient invalidés à cause d'un problème de défaut, si c'était un défaut que, parallèlement, dans une volaille, ça aurait rendu la volaille invalide aussi, là, ce korban, je suis d'accord avec toi que tu devras le redescendre du misbéach. Mais si c'est une petite finesse, un petit défaut qui ne concerne que les bovins et ovins, mais pas les volailles, alors dans ce cas-là, a posteriori, le korban, tu le laisseras sur le misbéach. Si tu es déjà monté avec, tu pourras continuer à l'offrir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Hanina Sgana Kohanim Omer. Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Le Sgana Kohanim, c'est le second. Le deuxième, en fait. Le deuxième, mais le premier homme au Beth Amikdash, c'est le Kohen Gadol. Le second, celui qui est secondé, c'est le Rabbi. Et à cette époque, c'était Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Lui disait
que Doche Haya Abba et Baale Moumin Me'al Gabe Amisbeach. Lui, c'est un avis intermédiaire. Son père d'abord était aussi un Kohen important, je ne sais pas qui il était. Il y en a qui disent que c'était Rabbi Hanina ben Antignos, mais je crois que le Sotium Tov, il discute. C'est Bartanoï, il n'y a pas Rabbi Hanina ben Antignos, donc Antignos était aussi un Kohen. Bartanoï, il repousse, il dit que c'est pas lui. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait le père de Rabbi Hanina, Sgan Kohanim, il nous rapporte qu'il avait un avis intermédiaire entre Rabbi Akiva et Tanakama. Tanakama a dit tout type de défauts, a posteriori, tu devras les faire redescendre. Rabbi Akiva nous a dit attention, non, les défauts qui ne concernent que les bovins et ovins, eux, a posteriori, tu les laisses. Il vient nous dire, Rabbi Hanina Sgan Kohanim, son père avait l'habitude que lorsqu'il y avait un korban qui était a posteriori, qui est monté sur le misbéach, il avait un petit défaut, alors il avait l'habitude de les repousser, kilachar yad, de manière un petit peu avec le coude comme ça, de les faire sortir, pas de les reprendre franchement et de les redescendre. Je ne sais pas exactement quelle est la raison de ça, ça n'a pas tellement été expliqué. Le Bartonora nous dit il le repoussait avec le revers de sa main. Veloya Moridan derech bizayon. Il ne le faisait pas redescendre de manière méprisante. Befaresia au grand jour. Ouais, il disait que certes, c'est pas bon. Il faut les. Si déjà tu les as jetés au feu, ou bien même si tu les as pas encore jetés au feu, ils sont déjà là-haut, ben met, il ne faut pas les jeter dans le feu. Mais essaye de le faire de manière très modeste, pudique, de faire en sorte qu'ils ne vont plus brûler sur les misbéars, laisse-les là-bas et débrouille-toi ensuite pour les rapporter, mais sans franchement les redescendre, parce qu'il y a en cela un bisayon, un mépris pour le misbéar de prendre quelque chose qu'on lui apporte à table et qu'après on le reprend, c'est pas que vos dos. D'accord ? Et la halakha est établie comme Rabbi Hanina ben Sgan HaKohanim, comme le conclut le Bartanora, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une plein d'atzlacha kol tov.